Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir les sacrifices prescrits par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu l'Esprit Saint qui l'annonçait qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il y eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Nous venons de célébrer Noël depuis 2 jours à peine. Un couple, Joseph et Marie, a un enfant. Il est devenu une famille. L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer la communauté des 3 êtres réunis par le sang et l'esprit. Un modèle à la fois de toute vie familiale et de toute vie en société. Une famille sainte, non du fait de paroles ou d'une vie quotidienne extraordinaire, mais parce qu'elle vit tout avec Dieu et en Dieu. Pourtant, les choix de l'Évangile d'aujourd'hui, les reçus de la présentation de l'enfant Jésus au temple, ne paraît pas évident. Du couple de Joseph et de Marie, il nous est dit peu de choses, sinon qu'ils respectaient la loi, puis qu'ils se rendaient à Jérusalem et accomplissaient tout ce que la loi prescrivait. On dit encore qu'ils s'étonnaient des dons de leur enfant. Ils reconnaissaient la grâce divine dans sa croissance.
On ne décrit pas les doubles événements du jour, les deux rites prévus par la loi de Moïse, la purification de Marie, qu'on trouve dans les livres de Lévitique, chapitre 12, les 8 premiers versets, et les rachats du fils premier-né, qu'on retrouve dans les livres de l'Exode, chapitre 13, du verset 12 à 16. Le premier précepte, celui de Lévitique, concerne la mère de l'enfant, Marie. Et le deuxième, celui de l'Exode, concerne le père de l'enfant. Mais que vient faire l'enfant Jésus au temple, près de ses parents? C'est une présence insolite. L'Évangile dit que Joseph et Marie amenèrent l'enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Or, la loi ne prévoyait aucun rite de présentation de l'enfant. Nous voulons tourner notre regard d'abord sur ce couple et après sur le vieux Siméon. Tournons notre regard vers le parent de l'enfant Jésus. Quand Marie et Joseph montèrent au temple avec l'enfant Jésus, ils mettent leurs pas dans les traces de ceux et celles qui croient, comme Abraham, que l'enfant est d'abord fils ou fille de Dieu avant d'être leur enfant. Ils le présentent à Yahvé, manifestant les reconnaissances de la paternité de Dieu. Le parent porte une vie qui a son origine ailleurs, en Dieu, et tous nous sommes les accoucheurs, les passeurs sur terre d'une vie voulue par Dieu de toute éternité. Chacun et chacune de nous est appelé à exercer une paternité, une maternité de service. La famille, c'est l'essentiel. C'est le lieu de la reconnaissance de l'identité propre de chacun et chacune. La recherche de cette identité nous échappe parfois. Elle est une longue contemplation, une progression, un étonnement parfois joyeux, parfois douloureux. Que le Seigneur qui connaît notre difficulté à tout vivre en lui apporte la consolation aux familles humaines et à nos petites communautés de vie. Regardons maintenant le vieux Siméon. On nous dit qu'il était un homme juste, religieux, mais un homme extérieur au service du temple. Il est un veilleur de l'ancienne alliance et qui attendait la réalisation de la promesse. La loi qui provoque la venue des parents de Jésus à Jérusalem et l'esprit qui pousse Siméon se liguent pour désigner le nouveau Messie au cœur même de la religion d'Israël au temple. C'est ici que se rencontre la fidélité de Dieu qui est de toujours et sa fidélité nouvelle, car c'est le même Dieu qui se tient derrière Siméon et derrière Jésus. Ainsi, l'histoire des individus et l'histoire de l'Église trouvent leur sens. Une rencontre des générations qui ressemble à un adieu. La tâche du veilleur Siméon est parvenue à son terme. Tel Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 15. Il peut s'en aller en paix, mais avant la fin de sa tâche, le veilleur Siméon prophétise, donne un message que même l'ange Gabriel n'avait pas révélé à Marie. L'enfant sera le Messie d'Israël et le Sauveur universel. Il sera aussi une source de division en Israël, comme le montreront les évangiles de Luc, chapitre 12, du verset 51, verset 53, et tout à la fin des Actes des Apôtres, chapitre 28, du verset 24 à 29, les dissensions de Paul avec les Juifs de Rome. La prophétie de Siméon met en œuvre une conviction. Le même don des dieux, son source de vie ou de mort, suivant les dispositions de ceux qui les reçoivent. Le salut, l'obéissance à la loi, nécessite un déplacement,
une mise en mouvement par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas provoqué par l'obéissance humaine, même si celle-ci peut constituer le cadre. Que la venue du Christ dans nos familles, dans nos cœurs, devienne la réalité et nous apporte la délivrance et la paix. Thank you.
temps.